Jenny, tu risquais pas de m'entendre. Une nouvelle cassette ? Star-Lord ? C'est qui, lui, avec les yeux effrayants ? Il a pas de nom. C'est un ranger de l'espace. Et en vrai, il est pas effrayant. Il est cool. Il doit pas chômer, ton ranger de l'espace. Truc de narvalo ! Plus personne dit ça aujourd'hui, maman. Maman, plus personne parle comme ça aujourd'hui. Eh bien, ta mère, si. On pourrait peut-être se trouver des places pour les voir en concert. Sérieux ? Mm-hmm. On dirait peut-être pas comme ça, mais ta mère était une rockeuse à ton âge. Avec ton père, on s'allongeait sur le capot de ma vieille Chevy et on se mettait du Black Sabbath. T'écoutais Black Sabbath ? Je te l'ai dit, ta mère est plus cool que tu penses. On regardait les étoiles et il me parlait des endroits qu'il avait visités. Maman. Est-ce que tu veux un peu de gâteau ? Ouais, j'arrive dans une minute. Tu m'as dit ça il y a un quart d'heure. Si tu ne te presses pas, j'engloutis ce gâteau à moi toute seule. Non, t'oserais pas. Tu me connais mal. Non, t'oserais pas. J'hésiterais pas. Hé, mes cheveux. On a déjà parlé de tes jouets qui traînent par terre. C'est pas un jouet, c'est une figurine articulée. Une charcuteuse de pieds, oui. Attaquer tes pieds, je vais. C'est pas lui qui... Non, laisse tomber. 13 ans, dis donc. Un jeune homme. Ça passe si vite. Ouais. J'arrive dans une minute. Très bien. Je te le promets, t'inquiète. Wouah ! J'ai trop hâte d'y jouer. Je peux peut-être convaincre Andy de l'acheter avec son salaire de livreur de journaux. Ça vaudra des centaines de dollars un jour. Je dois battre le record de Jenny. C'est trop la honte. J'ai réussi à faire 3-1 en une partie. Je suis le barde le plus nul de tous les temps. Je dois me faire de la corne aux doigts. Continue de faire des home runs comme ça, George, et t'entreras dans la légende. J'irai plus vite en décollant les étiquettes et en les remettant à la bonne place. J'ai encore mal au dos à force de marquer les pages. Je sais que c'est pas comme ça qu'on joue, mais j'en ai marre de mourir tout le temps. J'aimerais trop conduire une de ces motos lumineuses. Vroom ! Je suis contente de pas l'avoir loupé. C'était un truc de fou ! Peter Quill, Peter Quill, debout. Oh, bon sang, Corax. Faut que t'arrêtes de faire ça, mon vieux. C'est bizarre. On approche de la zone de quarantaine. J'ai dormi combien de temps ? Exactement 15 338 secondes. Oui, c'est ultra précis. La traîtresse est prête pour notre mission. Elle veut que tu la rejoignes dans le cockpit. Gamora est dans notre camp, Drax. C'est la fille de mon ennemi juré, une tueuse et une traîtresse. Je ne lui fais pas confiance. Eh ben essaie, tu veux bien ? On est censé faire équipe. Je ne peux rien promettre.
français les plus gros tas de débris galactiques de tout l'univers connu. A-t-il à jouer ? Route s'inquiète, dis-lui qu'on va pas se faire coffrer. Je suis pas présomptueux, je présume qu'on peut s'en sortir crème. Se faire coffrer ? Pourquoi ça ? Notre vaisseau a dérivé accidentellement dans la zone de quarantaine. Oula ! Un petit bug de navigation. Oups. Comment on aurait franchi accidentellement le champ magnétique des Nova ? C'est technique ! Sympa, tes bidules, Rocket ! J'appelle ça des pulsateurs. Admettons qu'on déjoue le champ magnétique et qu'on atteigne tes coordonnées en un morceau. Il n'y aura plus qu'à activer ces petites beautés et le monstre rappliquera en moins de deux. C'est censé marcher comment ? Le pulsateur fait blip 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 et le monstre se pointe en courant ? Ça fait plutôt... Rocket, nom d'un chien ! Arrête ce boucan ! Ensuite, le monstre sort de sa tanière à toute vitesse. T'es sûr de ton coup ? Eh, c'est ta source qui nous a fourni toutes les infos, Quill. Ma source est ultra fiable. Ces coordonnées pointent toutes vers un monstre rare, insaisissable, et qui pourrait rapporter gros. Sans aucune description physique pour nous aider. Normal, il est insaisissable. Oh, peu importe à quoi il ressemble, tant qu'il a des oreilles, vous pouvez être sûr que grâce à mes pulsateurs, il va se jeter dans nos bras. Alors, Drax, t'es content d'aller voir notre acheteuse quand on aura chopé le monstre ? Évidemment, Lady Elvender est une guerrière de légende et une noble reine. Et elle est pleine aux as ! Ce n'est pas une prouesse, seulement un fait pécuniaire. Du moment qu'elle achète notre monstre, elle n'a pas besoin de... Drax ! À propos de Gamora... Ça ne peut pas attendre, je prépare mon corps pour la bataille. Tu sais qu'on est censé capturer ce monstre, hein ? Pas le tuer ? Bien sûr, mais je suppose qu'il nous livrera une lutte acharnée. Dodo, Monsieur Muscle, Lady Elbender l'achètera pas si on l'abîme. Je tâcherai de préserver au mieux l'intégrité physique de la bête. Super. Qu'y a-t-il ? Hé, mon pote, repose-toi un peu. Il faut qu'on parle de Gamora. Elle est en train de t'attendre dans le cockpit. Je sais, je veux dire... ça va aller, vous deux ? Vous allez être seuls dans le vaisseau pendant un petit moment ? Rassure-toi, Peter Quill. Je resterai aux aguets et empêcherai toute tentative de trahison. Ou... tu pourrais peut-être lui faire confiance. Tu es naïf, Peter Quill. C'est une maîtresse de la tromperie. Ça va, mon grand ? Je s'appelle Groot. Tu sais, je comprends rien à ce que tu dis, Groot, mais je suppose que c'était quelque chose de super gentil et profond. Je s'appelle Groot. Qu'est-ce que l'arbre vient de dire ? Aucune idée. Il faut vraiment que Groot fasse quelque chose pour ses plantes. Peter Quill, je souhaiterais évoquer le statut de mon badge de membre d'équipage officiel. Drax, je te le répète, il n'y a pas de badge officiel. Ce bon vieux Milano. Son moteur provient d'au moins 5 marchés noirs différents. Ah ouais, tu m'étonnes. Eh, tu te souviens du marchand qui voulait savoir pour les émetteurs ? Après ton départ, il se penche vers moi et puis le mec il me fait « Vous comptez faire quoi ?» Je s'appelle Groot. Comme si j'allais transformer le Milano en boîte de nuit ou je sais pas quoi. Je préférerais que tu nous épargnes cette boîte de la nuit. Ouais, ouais ! On sait tous que tu meurs d'envie de danser ! Gamora ? En haut, Peter. Hey, c'est mon siège. Ah ! Alors pourquoi t'es pas dessus ? Ce que j'étais... sur des trucs. Ah. C'est bien beau de s'infiltrer dans la zone, mais on a aussi un monstre à attraper. D'accord.
Bon, j'ai raté des trucs. À part Drax qui arrête pas de me fixer du regard bizarrement, pas vraiment. Maintenant, si t'as fini de cogiter, récupère ton siège, on va pas tarder. Après le champ magnétique, on pourra pas revenir en arrière. Tu peux faire sauter les filets des Nova avec tes codes du marché noir ? Ouais. Dès que tu les auras saisis dans ta console. Ok, on y va. Rocket, Groot, Drax, venez là, on va entrer. Il reste quelques minutes avant le prochain intervalle, en fait. Le prochain ? Le système de sécurité des Nova se relance à chaque rotation. On doit entrer et filer avant expiration du code, sinon on sera bloqué. Et si on attend la réinitialisation, on aura une rotation complète pour le faire. Pourquoi elle est encore là, la protection ? Je croyais qu'on devait entrer. Il semblerait que les contacts de la tueuse soient aussi fiables que la traîtresse elle-même. Ah non, hein ? Me dites pas que les codes de piratage de Gamora sont foireux ! Ça nous a coûté un bras, ces trucs ! Relax, Rocket. Il nous reste quelques minutes avant le prochain intervalle. Le réseau s'est réinitialisé. Tu peux saisir le code, Peter. 0, 4, 5, 1. C'est tout ? 4 chiffres ? C'est suspect. Ces mesures de sécurité sont trop simples pour les cordes de Nova. C'est pas si simple. Ce code ne fonctionne que pour ce vaisseau, à une date précise. Oh, Mazette, j'ai pigé. Les codes de Gamora sont une sorte de clé d'encodage, dont le... Voilà ! Ça a marché. Incroyable. J'avais jamais réalisé que la guerre avait laissé autant de trucs. L'armée Chitauri était pas du genre à se retenir. Surtout sous la direction de Thanos. Alors, on doit plus risquer grand chose maintenant. Enfin, je veux dire, les corps de Nova ont eu 12 ans pour virer tous les méga explosifs, pas vrai? Ah, c'est pour ça que je t'aime bien, Quill. T'es tellement innocent. Ah, toutes ces délicieuses folies que je pourrais faire. Concentre-toi, rongeur, nous ne sommes pas venus là pour piller. Ben pourquoi pas? Les armes du Milano mériteraient un petit coup de neuf. La bête qu'on cherche a plus de valeur aux yeux de la reine des monstres de cette arme neuve que des pièces obtenues illégalement. Wow! C'est pas très accueillant par ici. Je vois pas de monstre, mais ce gros cylindre droit devant ressemble au vaisseau extracteur que la copine de Peter nous a dit de chercher. La copine. Ouais, ça va, c'était pour une nuit. Et le monstre, vous le verrez dès qu'on aura mis les engins de roquette en place pour l'attirer. Carrément. Allez, Groot, Quill en costume. Et en voiture, Simone. Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois rester à bord avec l'assassin. Oh, mais parce que tu fais partie de l'équipe des Verts, le brocoli. Tu m'as affecté dans l'équipe avant de lui donner un nom. Et je n'ai pas la peau verte. Elle est sarcelle. Sarcelle ? Bon, écoutez, si on veut forcer le monstre à entrer dans le vaisseau extracteur, on doit placer des pulsateurs des deux côtés. Deux parois, deux équipes. Et deux bornes avant le site de largage. Sol trop instable pour atterrir. Vous devrez sauter. Place aux professionnels. En route, Groot ! Allez, t'en fais pas ! Une fois les pulsateurs en place, on se retrouve au centre et on capture le monstre ! Tous ensemble. Très bien. Et un pulsateur, hein. Gamora, prends soin de mon bébé. C'est un vaisseau, Peter, pas un enfant. Non. T'imagines un peu ? Je chapelle. Quoi ? Une grosse gluant ? Une nanorésine spéciale, pour pas que tout ce bazar de guerre se mette à flotter. Je crois que ce gros cylindre là, c'est notre point de rendez-vous ? Ouais, le vaisseau extracteur. C'est trop bizarre de les voir agglutinés comme ça.
tous ces souvenirs d'une guerre aux quatre coins de la galaxie maintenue ensemble par... de la glurose. De la nanorésine à base d'ébrium. Regardez! Jaune et bleu! Ça doit être une vieille frégate des cordes de Nova. Oh, c'est sympa! Non mais arrête! Des gens ont dû mourir à bord de ce vaisseau. Oh, le rabat-joie! Pourquoi tu nous as trimballés jusqu'ici si cet endroit est aussi sacré? Je s'appelle Groot. Je peux te citer une dizaine de planètes pleines de monstres. Alors, pourquoi ici? Je sais pas si t'as remarqué, Rocket, mais nos clients se bousculent pas au portillon. Ah, ouais, j'ai remarqué. Ouais. Si on assure, on gagnera plein de fric. Mais aussi une nouvelle cliente fortunée. On doit impressionner Lady Hellbender avec un monstre digne d'intérêt. Pas n'importe quel bestiau. Oh, c'est bon? J'ai rien. Ah, ah, t'as failli gonfler les statistiques de la guerre, avec du retard. C'est pas drôle. Eh, tu vois? Ça, j'aime bien, là. Ça, c'est marrant. Je s'appelle Groot. Faire des trucs, tous les trois, comme à l'époque où on a commencé. Avant que tu sais qui nous rejoigne. Je s'appelle Groot. Non, je déteste pas tout le monde. Franchement, Rocket, on a bien fait de recruter Drax et Gamora dans l'équipe. Tu dis ça uniquement parce qu'elles nous écoutent. C'est pour ça que tu nous demandes de garder le vaisseau, Drax et moi? Peut-être. Eh, c'est pas interdit de vouloir passer un moment sympa entre copains, si? Je suis sûr que c'est un cul-de-sac par là. T'es sûr? Oh là. Ah, allez, allez, c'est bon là, c'est par là, allez, hop! Comment est-ce que tu sais ça? Fais-moi confiance. Hé, hey, Groot! Tu crois qu'on peut trouver des morceaux de l'éclat de Trion par ici? Je s'appelle Groot. T'as jamais entendu parler de l'éclat de Trion? Une pyramide de mal concentrée qui corrompt tout ce qu'elle touche. Je s'appelle Groot. Quoi? Comment ça j'invente? Allez, cite-moi une seule fois où j'ai dit des bobards. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Comment tu pouvais savoir que c'était un cul-de-sac à l'autre bout? Parce que contrairement à toi, j'ai un sens de l'orientation très pointu. Rien de cassé! Oh, rien de cassé! C'est bon. Je vous ai fait peur? Non! Oh, vous étiez inquiet. Pas de soucis, c'est bon. Mais faites gaffe où vous mettez les pieds. C'est pas aussi stable que ça en a l'air. Oh, ça, c'est un gros sans-pied. Prends ça, décor fragile. Ah, je déteste ces perniques mangeuses de vaisseaux. Elles te boufferaient le Milano en moins de deux cycles. Ah, belle gerbe! Hé, hey, 50 unités que je peux en dégommer plus que toi de ces bidules. Ouais, genre... Oh, mais... Enquête, c'est toi qui as fait ça? L'affichage des scores, ça te plaît? J'ai plus ou moins piraté ta visière la dernière fois que tu roupillais. Quoi, tu pirates mon matos? Vu le nombre de fois que je t'ai rafistolé, on peut presque considérer que c'est mon matos. La distance de placement optimale pour le pulsateur se trouve par là. Je s'appelle Groot. Droit devant. Voilà, derrière le trou géant où devait se trouver le cockpit du vaisseau. Ah, incroyable. Ah, j'aurais dû le filmer, ça. Fais-moi passer, Groot. Je veux voir s'il est vivant. Je s'appelle Groot. Je sais pas, mais mieux encore. Hey, Quill, espèce d'emplâtré, tout va bien en bas? Ouais. Ouais, bah j'ai cru... voir un raccourci. Ouais, c'est ça, un raccourci. Continuez sans moi. Je vous rattraperai. Ok. Il y a une baie de missiles déglinguée des Nova de l'autre côté. On se retrouve là-bas. Baie de missiles bleus et jaunes. Ça marche. Ok. J'explore un vieux vaisseau sinistre. Tout baigne. Détends-toi, Quill. Y'a rien qui va te sauter dessus. Normalement. À part moi et Groot, peut-être. D'accord, Team Rocket. On vient de mettre en place deux nouveaux pulsateurs. Ça me rappelle des souvenirs. La guerre, là. Qu'est-ce qu'il y a, Quill? Tu veux tout démolir? J'ai tiré sur un truc. J'ai pigé. C'est
C'est ton outil. Meurs pas. Mort, Quill ! Même sans oreillette, on entend tes petits couillements. Je suis un peu occupé ! Adios, les nulos ! Oh ! C'est de la triche ! Pas de la triche ! Ah, vous auriez dû voir ça. C'était un genre de bloc visqueux. Ah, cette fois, je me ferai pas avoir. J'en ai explosé un autre! La santé de notre chef prévaut sur tout le reste, rongeur! C'est pas drôle. Comment t'en sors là, tu me recèles tout seul? Ça va. On attend que Quill se pointe. Quill, on mise gros en partant chasser le monstre mystère. J'espère que le tuyau de ta copine est fiable. Je s'appelle Groot. Oh, comme si t'avais vu l'honnêteté sur son visage. Faites confiance au plan, les gars. Tout se passe comme prévu pour l'instant. Jusqu'au vaisseau extracteur. On colle nos pulsateurs là où il faut, et on emballe le gros monstre. Ah, il sait s'y prendre pour... Oh, purée ! Dégagez ! Oh, flash ! C'est bon ! Oh, non mais, shit, blague ! Oh, flash ! On a failli laisser notre peau ! Ça va, Groot ? Quill ! Ça va ! Mais on pourra pas sauter ! Mais y'a pas besoin de sauter! Y'a une poutre solide de ce côté-là! Demande à Groot de créer un pont! Demande-lui gentiment! Pour moi, il le fait tout le temps! J'entends le bruit de ta visière! T'as pas intérêt à tricher pendant le pari, Quill! Comment t'arrives à entendre? D'accord, Groot. Monte voir ton truc cool avec la branche. Ouh, avec ça, tu dois cartonner en soirée. Je s'appelle Groot. Oh, dégueu. Encore des bouffeurs de vaisseaux, il y en a partout. Ouh, super. Oh, les affaires et boum. Juste tout tourner, Quill. Ah, je déteste voir ces choses mâchouiller toute cette belle matière première. J'appelle Groot. On n'a qu'à passer par là. Il y a juste ce vide à franchir. Groot, j'ai un point d'ancrage. Tu peux t'y attacher ? J'appelle Groot. Hey, les verdâtres ! Vous nous faites signe si vous apercevez des vaisseaux jaunes et bleus. Nous en avons vu beaucoup. En train de patrouiller, il veut dire. On n'a pas parlé de la marche à suivre si on croisait les Nova. Nous les immobiliserons en attendant d'avoir fini. Mauvaise idée. Tous ces flics sont connectés avec leurs casques débiles. Si vous voyez des flics, vous faites dégager mon vaisseau. Même si ça implique de nous abandonner. Ah, t'es ma boule ! Croyez-moi, j'ai déjà eu affaire aux corps de Nova. Je les ai même aidés à attraper de vrais criminels. Je pourrais les barater. Je s'appelle Groot. Ok, on y va. Très bien, installe-le juste là. Je s'appelle Groot. Ouais, encore un. Non. Non ! Gros tas de couilles ! Cette batterie est cramée, voilà ce qui va pas !
T'as peut-être trop forcé. Bon, on va trouver une solution. Bah, la solution, c'est une nouvelle batterie. Avec du jus. Ok. On est dans une épave de vaisseau. Oh, bien sûr, ils ont mis une saveur dégueu. On dirait de la bouffe pour chat premier prix. J'ai les dents toutes grasses. Il arrête maintenant. Cette trousse de soins a l'air adaptée à la biologie Kree. Dommage qu'on n'ait pas de Kree dans l'équipe. Quelle chance, tu veux dire? Arrête tes âneries. Je s'appelle Groot. J'ai l'air inquiet, là? Est-ce que j'ai l'air inquiet? La résine va tenir. Je s'appelle Groot. Mais tu pèses pas assez lourd. J'ai vu cette colle prendre au piège un cuirassé Chitori. Ça va aller, je te dis. Alors, Drax, pourquoi t'en pinces tellement pour cette Lady Hellbender? Je ne suis pas amoureux de Lady Hellbender. Bah tu vois, là, je m'attendais à une de tes réponses premier degré, du genre... C'est ridicule, je vais pas assez perdre... C'est pas ça. Et qu'est-ce que je dois faire pour avoir un nom de famille comme Drax? Les Cataciens n'ont pas besoin de nom de famille. Tu peux en faire quoi de ce missile? Avec ça, je peux nous réduire en bouillie. Vas-y, la cherche encore. Gamora, c'est quand que tu comptes partager tes contacts et tes sources? Quand tu partageras les tiens. Quoi? Vous connaissez tous mes gars? Bah, on sait juste que t'as un mec qui fait des explosions, un mec qui peut nous faire changer de visage, et un mec qui dit jamais non. Je l'adore, ce mec. Et puis bon, c'est pas ma faute si je suis nul avec les noms, hein. Par contre, j'oublie jamais un visage. Sauf si mon mec pour les visages est passé dessus avant. D'après vous? J'ai un truc avec une charge! On dirait une batterie de voiture de l'espace! Ok, ça va pas m'électrocuter, hein, on est d'accord? Ah, les chances sont infimes! Vraiment, non, mais t'en fais pas! Et voilà! Ça conviendra, faut juste que je bricole un peu. Il y aura quelques réglages à faire le temps que je calcule son rendement. Alors protégez-moi! Te protéger contre quoi? Rocket! Aide-nous à virer cette saleté! Non! Si je refais pas les caps vite fait, tout va griller! Préparez-vous! Michel-toi tout ça, Groot! Pleine pièce avec ah.
super timing. Tu t'occuperas du bricolage. La prochaine fois. Allez, encore deux, et puis c'est bon. Je s'appelle Groot. Groot se demande si la récompense sera à la hauteur de tous les risques qu'on prend pour cette mission. Groot et moi, on est presque increvables, mais imaginez que vous vous en sortiez pas tous vivants. Écoutez, si on livre ce monstre à Lady Hellbender, on décroche le gros lot, et on oublie les missions nazes. Un vaisseau pour chacun d'entre nous. Oui, oui, mais une équipe n'a besoin que d'un seul vaisseau. Un vaisseau plus spacieux, peut-être. Quoi? Non, j'adore mon bébé. On peut le modifier. Waouh, c'est démesuré, ce machin. Vaisseau ou robot, à ton avis? C'est une sentinelle Kree, un robot. Mais il aurait eu sa place dans les étoiles. Je s'appelle Groot. Bah, c'est même pas la plus grosse. Ils ont pondu au moins 5 modèles expérimentaux 2 fois plus grands. Comment est-ce que tu sais tout ça? C'était des expériences sur le demi-monde, tout comme moi. La plupart de mes pièces provenaient du hangar cybernétique d'à côté. Du coup, j'avais un aperçu de leur nouveau robot tueur. Je voyais les pièces entrer et sortir depuis ma cage. Je voulais pas rouvrir de ce qu'ils faisaient. Non ! C'est plus que des cicatrices, pour la plupart. Pour les savants foucris les plus allumés, c'était même pas une personne. Plutôt un genre de flingue sur pattes. Un flingue à la langue bien pendue. Ah, figure-toi que c'est un accident. Ils ont voulu régler ça plusieurs fois. Je s'appelle Groot. Le problème, c'était le complexe entier. Moi, j'aurais voulu retourner tout faire sauter là-bas avant la fin de la guerre. Attends. Hé, hey, ce serait pas... Oh, j'ai gagné mon pari, Quill. On verra bien. On est dans la tête d'un robot géant. Et moi, j'ai des pièces de robot dans ma tête. Tu as des pièces de robot dans ta tête? Dans la tête géante d'un robot? C'est vraiment super profond. BAM! Eh, Groot, comment je vais dépenser les unités de Quill quand j'aurai battu à ta couture? Je s'appelle Groot. Je veux dire quand il aura du fric et qu'il me le donnera. Tu te gagnes. Ne le félicite pas! Moi, je sais ce que je pourrais faire de cet argent. J'économiserai pour notre prochaine halte sur Contraxia. Et je me ferai faire un massage xéronien. Continue de rêver! Alors, votre pari, comment ça se passe? J'ai hâte que l'un de vous deux l'emporte. Ça devrait mettre un terme à vos bavardages. Mais ça, ta radio, si t'es pas content! Je s'appelle Groot. Voyons voir, quand j'aurai battu Quill, je me procurerai des hyper-circuits rotatifs. Pouh, personne sait qui c'est. Je s'appelle Groot. Je me suis jamais autant éclaté. Je s'appelle Groot. C'est Quill, si tu t'amuses bien, tire dans un nid. Sans commentaire. Imagine, ton vaisseau s'est attaqué par ce genre de truc. À son échelle, t'es qu'un insecte. Il les chassait de la main, un peu comme des mouches bleues. Des mouches quoi? Bleues. C'est des mouches qu'on a sur Terre, mais de couleur bleue. Vous les appelez bleues parce qu'elles sont bleues. Ah, vous êtes drôlement originaux, hein. J'ai trouvé un nid. C'est peut-être le carré VIP des parasites. Je me demande combien de carcasses de robots géants on trouverait si on fouillait toute la zone. Tu sais quoi, Quill? Je crois que c'est pas juste. T'as deux flingues, et moi j'en ai qu'un seul. J'estime que mes poids devraient compter double à partir de maintenant. C'est de la triche.
Ok, le pulsateur vient ici, Quill. Ça va pas énerver toutes les bestioles du coin, hein? Désolé, Quill, je peux pas prendre de risque après la dernière fois, faut le tester rapidement, on n'a pas le choix. Ah, pas encore. Ok. Quoi? J'ai juste allumé État pour voir si ça marchait. Ça, c'est le ménage façon roquette. Bouton qui arrête les gros. Comment ça se fait qu'il y en ait autant? On aura bien soin de moi. Je s'appelle Groot. Ah, c'est pas cette peur. C'est pas vrai, je croyais qu'on était à l'abri. Oh, sérieux? On a aussi staffé des limaces cradingues. Arrête ton inventaire, tire dessus. C'est très utile, merci! Y'a pas de quoi maintenant, arrête de me déconcentrer! Des points comme ça! Bien sûr que si! Hé, Gilbert! Ça y est, hein, on a fini d'installer nos pulsateurs, nous! Bien joué! Rendez-vous au vaisseau extracteur! Ok, le vaisseau extracteur est juste là! Je s'appelle Groot! Bien sûr que c'est solide! Aussi solide que n'importe quelle épave d'un vaisseau Chitauri! Je s'appelle Groot! Oh, s'il te plaît, Groot, on doit aller de l'autre côté. Tes roquettes te feraient pas courir de danger, si? Je s'appelle Groot. Mais ouais, je serai toujours là pour toi, mon grand. Je s'appelle Groot. Non, 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 c'est juste que ça a l'air instable, donc tu restes ici. Ne prends pas le chou, ça ira. Je s'appelle Groot. Mais ouais, cette résine peut maintenir un vaisseau de guerre à la noix. Oh, mais ça craint rien, tu peux me croire. Regarde, je vais te le prouver, tiens, regarde ça là. Hop. Roquette ? Allez, on saute ! T'aurais pu mourir en me sauvant! Je s'appelle Groot! Ouais, moi aussi je t'aime, espèce de racine consanguine. Allez, Quill, il nous retrouve au vaisseau extracteur, je veux pas le faire attendre. Quoi, c'est tout? On va pas le chercher? Il dit que ça va, on le retrouvera plus tard. Team Rocket, est-ce que tout va bien? On vient de perdre le signal de Groot. Oh, flac! Il a dû péter sa radio en tombant. Groot a pris un autre chemin. Il a dû tomber et casser sa radio. Ouais, voilà. Pourquoi prendre un autre chemin? Team Rocket terminé. Ah, pourvu qu'il nous lâche, hein, maintenant. Bon, la team verte va nous laisser tranquille. On peut arrêter de s'en faire pour cet accident idiot. Et puis Groot va bien, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Bah, c'est pas grave, tu l'as dit, Groot va bien. Du coup... pas de problème. Exactement, tout va bien. Voilà,
Ah, bah, super. Ouah ! Imagine que cette turbine s'allume. On se ferait bien cramer. Bah, pourvu que ça arrive pas. Parce qu'il va falloir qu'on le traverse, ce machin. Cette turbine est en plein dans le passage. Il va falloir traverser. Ça doit s'ouvrir pour laisser passer le gaz, c'est ça? Ouais, tu cherches à dire que c'est nous le gaz? Dans ce cas de figure, oui. Si on arrive à l'ouvrir. Il y a plein de restes de vaisseaux Chitauri sur les bordures. Tu peux te glisser là-dedans? Oh, je le savais. Roquette, répare ce truc. Roquette, mets-toi ce bazar. Roquette, mets-toi dans ce trou bizarre. Tu vois quelque chose? Ouais, des commandes manuelles. Roquette, on a eu un pépin. L'un de nos emplacements est couvert de résine. On redécolle pour poser le pulsateur autre part. Faites en sorte que le nouvel emplacement soit aussi près que possible que l'original. À fond. Cet angle. Super, encore une turbine. Ouais, ouais, c'est fabriqué comme ça en général. Piou, piou. Et... je vois qu'on s'est entraîné. Allez, on s'arrête d'ici. Comment on fait sauter un Chitauri mort? Alors là... bah t'enlèves ton pied de sa tête. On a retrouvé le chemin. Le vaisseau extracteur est par là. Tu crois que Groot a pris de l'avance sur nous? Peut-être. J'espère qu'il s'est pas... Oh non, 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 non. C'était pas moi, c'est toi, je te jure. J'aime pas ça. Est-ce que mon pantalon frotte pas? Je me gagne pas ce truc avec des muscles, j'en avais même pas conscience. Oh la vache. Juste un temps. Comment vous avez... On est content de te voir aussi. Mais il va falloir traverser le vaisseau le plus vite possible. Beaucoup de mouvements dans les parages. Ouais. Ça commence à être violent de notre côté. Essayez de nous le maintenir en place. Bientôt, ce sera même plus une option. Cette position est insoutenable. Attention à l'impact. Accrochez-vous. Moi, je vois rien dans le noir. Ah, ah, oh, je sens un panneau. Ouais, il y a des câbles là-dedans. Je vais voir si je peux rétablir les systèmes. Ça va te prendre combien de temps? Aïe, que sonnerie de joie, matrice. Ok, les systèmes vitaux se remettent en marche. Tu vois de ton côté. Sa mère, la reine, c'est pas bon. Ce truc. Je dirais
un essaim de vieux bottes de ménage. C'est possible, hein? Des vieux bottes de ménage. J'en sais, moi. Désolé pour les coups de feu. J'ai cru que t'étais cette cochonnerie qu'on a libérée par accident. Oui, on a vu des bottes d'entretien. Par accident, à distance. Je s'appelle Groot. Tout va bien. Ce truc s'est enfui dès qu'il nous a vus. Hein, Quill? Ouais, une espèce de créature bidon qui vole. Pas vraiment de quoi s'inquiéter. Bon, et à propos de créature bidon, on paraît que la team verte est en train de galérer pour garer mon vaisseau. Je crois que j'ai fait assez de paris pour aujourd'hui. Ouais, pareil pour moi. On n'a qu'à aller au point de rendez-vous. Je s'appelle Groot. Personne n'a gagné. C'était juste une excuse pour flinguer des trucs. Et voilà, les coordonnées de rendez-vous sont par là, mais on devra trouver un moyen de contourner les décombres. Je vais essayer de trouver une alternative. Ce serait nul qu'on se fasse choper ici. Je s'appelle jolie pièce que voilà. Je s'appelle Groot. Une table. C'est un établi d'époque. La série T, ingénieur. On n'en fait plus, des robustes comme ça. Hey. Et viens voir, Quill. On va voir si cette vieillerie marche encore. Je peux peut-être bricoler ton matos. Tiens, passe-moi ce boulot. Ou même du matériel de mineur. Non. C'est pour qui, ça? Voilà, c'est pour toi. Je s'appelle Groot. Ouais, on pourra passer si je fais dégager tout ce bazar.